Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai sorti les petits trucs de cire, mon petit chauffe-plat là. J'ai pris celui-là qui est tout plat. Vous voyez, il n'y a pas de dessin dessus. Parce que j'ai envie de vous faire, donc là j'ai fait un petit test comme ça. Donc j'ai fait celui-là avec des petites fleurs séchées et celui-ci. Donc je voulais faire des petits tests avec vous. Donc on va mettre à brûler. Hop. On va mettre du clair et je vais faire un autre test que je veux voir avec la colle chaude. Alors, on est quand même pas mal. Faut que je prenne une autre boîte hein, parce que voilà, il est bien plein. Ça va être trop petit. Je vais mettre celle-là dedans. Mais je vais tester. Donc, vous voyez, j'ai acheté des petites fleurs comme ça. Voilà, j'ai pris sur Chine, vous avez dû voir mon haul. J'ai pris celui-là, donc vous voyez, on va prendre cette fleur-là, mais pour le coup, on va la mettre, voilà, comme ça, en dessous. Je viens de remettre la cire, et je vais essayer de recouvrir, il faut que je trouve une boîte pour les ranger. Je vais faire fondre et on va venir la recouvrir. Et après, ouf, on va la mettre par en dessous. Donc, voilà, je vais vous mettre bien comme ça. Vous voyez bien. Et là, c'est en train, voilà, je vous rapproche. C'est en train de fondre. Je me suis recommandé des petites cuillères pour avoir vraiment une cuillère pour la cire qui est claire, une cuillère pour la cire qui est de couleur, une autre cuillère pour les mélanges. Parce que sinon, quand vous voulez faire d'autres petites choses, le temps d'enlever la couleur, tout se remélange à chaque fois, c'est jamais parfait si vous voulez que ce soit un peu blanc. Donc là, on touille, on touille, on touille. On fait la petite poupotte. Hop, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Hop, ça, on va poser ça. On va venir, voilà, la mettre dessus, comme ça. Tac. Et voilà. On va remettre d'autres couleurs. Hop. On attend que ça refroidisse un peu. Bon, vous connaissez le système. Mais j'avais envie de tester avec des petites fleurs séchées. Ah, du coup, ouais, elle est cachée en dessous. Faudrait que j'essaie. Ouais, voyez, elle est là. Je voulais l'essayer par en dessous pour voir ce que ça allait donner, mais non. Ça va pas. Ouais, faut que je fasse comme tout à l'heure, en fait. Comme j'ai fait de la mettre par-dessus. Bon, c'est pas grave, on va le garder quand même. On va donc prendre. On va rester dans le rose. On va prendre celle-ci, si j'arrive à l'attraper. Alors, ah, elle est collée. Est-ce que c'est des... Voilà, c'est des vraies... vraies fleurs séchées. On va mettre ça par-dessus. Ah bah non. Ah non, 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 c'est pas ça. Je recommence ma bêtise. Je viendrai la mettre dessus. Voilà. Mais après, on va essayer avec
avec la colle chaude en fait. Voilà. Je l'aide à fondre en touillant. Hop. Tac. Et on touille. Ah, par contre, je suis pas à ma main, c'est pénible. Je suis pas trop à ma main. Hop, on vient un petit peu avec la cuillère, voilà. Hop. Non mais partout, mais c'est pas grave. Ça, on vient le poser et hop, on vient, tac. Hop. Ouais, c'est bon, c'est froid. Parce qu'après, vous venez retirer. J'ai repris une cuillère aussi. Ah, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Donc, après, tiens, on va mettre du jaune. Voilà. Bon, là, on va venir redécouper comme ça. Mais, vous voyez, bon, je viendrai recouper. C'est pas grave. Mais c'est pas encore vraiment. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. J'aime bien faire ça aussi, c'est sympa. Parce qu'en fait, j'ai vu ça sur Instagram avec plein d'astuces pour mettre de la couleur et tout. Bon, ah, c'est du boulot. Mais ça a un super rendu. Et du coup, j'ai vu aussi avec les fleurs. Et je trouvais ça super beau. Mais il faut. Je suis désolée pour la télé. J'ai ma porte qui est ouverte. Je vais aller la fermer. Je vais reprendre celle-ci. Hop. Oh là 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 là. Bon, c'est un petit peu débordé mon affaire. Vous venez mettre votre petite fleur posée. Qu'elles se prennent bien.
Mais c'est... Aïe, c'est chaud. Oui, ah, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud, Sam. Hop. Mais je peux pas fermer la porte, monsieur. Bébé est là. Alors, je voulais retrouver ce que j'avais vu. Excusez-moi, je cherche en même temps pour essayer de vous remontrer. Que je vous avais montré avec le flex qu'on peut mettre dedans. Mais en fait, on peut mettre des fleurs. On peut prendre un petit rond de, avec un dessin dedans qu'on peut recouvrir. On peut faire pas mal de trucs. Mais ça, donc voilà ça. Après, on enlève le fil, mais hop, comme ça, tac, 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 tac. Mais ouais, du coup, celle-là, on va enlever. Mais j'avais vu d'autres choses, mais je retrouve pas. C'est pareil, vous pouvez faire aussi. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah ben on va prendre ça. On va prendre celui-là. Comme c'est des fleurs, on va prendre celui-là. On va venir. Hop. On va prendre du rose. Un peu de violet. Bon, comme d'hab, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, hop. On dévisse, on met la fleur, voilà, la petite fleur, on vient prendre, oups, une petite branche de fleur comme ça, vous venez la mettre sur le petit tapis, on va laisser fondre. Je vais peut-être mettre un petit blanc. Voilà. Bon, donc quand on en met plusieurs, je vais peut-être pas mettre mes doigts dedans. J'allais le faire. Quand on en met plusieurs, forcément, ça met un petit peu plus longtemps à fondre. Mais en fait, pour les seaux de cire, vous avez plein d'astuces pour faire des choses super jolies. Alors, parce que forcément, mon compte où j'ai mes seaux de cire, j'arrive pas à rentrer dedans avec ma tablette. On va aider à Touille. Je sais plus si je vous ai demandé comme d'habitude si vous alliez bien. On Touillasse.
ça fait vraiment avec le petit chauffe-plat et tout, la petite cuillère. On est dans le... Là, on va venir prendre. Deux petits bleus. On note. Comme ça. Mais du coup, je trouvais ça sympa avec, avec les fleurs, vous voyez, pour mettre sur une petite créa, sur une petite carte qu'on a finie. Je trouve ça très sympa. Bon, là, je voulais que ça ressorte, mais je pense que si je le fais avec... comment ? Avec mon pistolet à colle. Hop, voilà. Ça devrait être pas mal. Toujours en train de chercher... Là, normalement, ouais, j'ai peut-être pas assez appuyé, vous voyez. Non, c'est pas, j'ai pas assez appuyé pour qu'elle se prenne dans la fleur. Vous voyez, j'ai fait avec la petite fleur, c'est pas grave, on va recommencer. Ou la tige est peut-être... ah, c'est hyper collé. Vous avez ça comme ça. Si j'essayais comme ça, c'est... faut arriver à les décoller parce qu'elles étaient bien compressées. Excusez-moi. Désolée, je papote pas. Je suis concentrée sur ma cuillère là. J'aimerais faire un truc sympa et j'y arrive pas. Ça m'énerve. Alors, on va essayer de faire un petit truc. On essuie la cuillère. Du moins, on la gratte. On pose et on vient. Mais il faut que, peut-être que j'appuie là. Du coup, si je veux vraiment que ma fleur soit prise. Oh merde, douille. Attends. Hop. Est-ce que j'avais... Ah oui. Donc j'ai ces fleurs là. Hop, ça on va recouvrir. Ça, et j'ai celle-là aussi que j'ai pris comme ça, et en petite boîte. Il y a tout un tas de, et du coup, ah, ça peut être sympa, une grosse branche comme ça. Ah, ça peut être pas mal. Attendez. Vous avez les fleurs comme ça et sur la tige vous pouvez mettre, voilà. Là ça a bien pris. Vous avez du coup la petite fleur qui
maquiller, mais il en faut une plus grande. Mais ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ça. Je vais mettre un gros seau dessus. J'ai une branche. Et c'est voilà, bon, on les met partout. Ça, on essaiera après. Je vais les remettre comme ça. Hop, attends, on va venir nettoyer ma cuillère. Voilà, j'aurais dû venir la nettoyer tout de suite. Qu'est-ce que du coup? Parce que c'est pareil. Je vais essayer quand même avec juste ça. Avec quoi je pourrais prendre pour essayer de faire les couleurs? Ça. On va prendre ça. Alors, on va prendre le petit seau avec la rose. Donc là, ce qu'on va venir faire, j'ai vu ça en vidéo, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. Faut pas essayer. Alors il faut une petite spatule, pas trop grosse. Allez, ma petite spatule, j'en avais une petite pourtant. On va prendre celle-là, je trouve pas ma petite. On va prendre celle-là. Alors on va venir poser ça. On va venir mettre. J'essaye. Je garantis pas que ça va marcher. Alors, là, on va essayer de mettre le rose soutenu. Là. On va le mettre sur les pétales là. Et là, on viendra mettre du vert. On viendra mettre du vert. Peut-être un vert. Est-ce que j'ai un vert? On va faire avec ce que j'ai. On va voir si ça marche. Mais il me semblait quand même que j'avais une spatule plus petite. J'en sais rien. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Je cherche toujours. Ce que j'ai vu, mais que je ne trouve pas. Alors, on fait fondre. Tac. Hop. En touillotte. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Parce que moi je fais jamais spécialement d'essai. Hein. Là j'avais fait les deux fleurs cet après-midi, parce que je m'étais dit je vais commencer une vidéo. Et puis après en fait je suis partie maladie. Et
Du coup, j'ai pas, vous voyez, vous venez verser où vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça refroidit tout de suite. Alors, attends. Ça refroidit tout de suite. Hein. Ah, purée. Ça fait même pas le rose. Ça. Comment ils font pas que ça refroidisse tout de suite? Ça fait la rose. Mais ce qu'il y a, c'est que la couleur, ça ne convient pas. Parce qu'on voit pas bien le rouge. J'ai plus de rose. J'ai pu. J'allais faire des bêtises. Attends, on va faire ça. On va en mettre juste une. On va faire avec une couleur plus soutenue. Du coup, vous voyez un peu le truc que je veux faire. Hein, dans l'idée. Dans l'idée. Non, Sacha, il y a la bougie là. Et en plus, il y a du bazar. Tu peux pas te coucher, Doudou. Je vais retouiller. Sacha, non. Je pense qu'en plus, il faut aller assez vite. Hop. Ensuite, ils font comme ça. Voilà. Ensuite, on va remettre, tiens, hop, celui-là. Je sais pas si ça va marcher, mon truc. Je l'ai vu, hein, j'ai vu des vidéos. Vous devez vous dire, mais pourquoi tu n'essayes pas avant? Pourquoi tu fais ça comme ça? Ah ouais. En fait, ça me saoule d'essayer avant, quoi. Comme ça, vous voyez que hop. Alors ensuite, on va l'aplatir par là. Hop. Donc, on va revenir. Chauffer un petit truc pour après le tamponner, voir si ça ressort. Hop. On va enlever ça. Hop. Après, c'est du ménage. Il y a de la cire qui fond plus facilement que d'autres. Donc après, vous faites ça. Là, 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 là. Hop. Vous venez le remettre là. Ensuite, je peux. Oh non, ça l'a bien fait. Attendez. 1, 2, 4. Ouais, bon. Hein? C'est qu'elle s'est décollée, cette andouille. On va y arriver.
Vous voyez le principe où je veux emmener la chose. Je suis en train de regarder un reportage. Un reportage. C'est pas un reportage, c'est un documentaire sur la nouvelle chaîne là qu'il y a sur. Vous pouvez l'avoir sur Amazon et sur Canal Plus. C'est la chaîne Max. C'est sur l'histoire d'une petite fille c'est un début hein. C'est un début, voyez. Mais vous voyez le principe. Voilà, je voulais qu'il y ait la couleur des pétales de rose. Là, bon, si j'avais du vert, ça ferait du coup la tige et les feuilles vertes. Et là, après, vous revenez tamponner avec un seau de cire. Bon. C'est pas... voilà, c'est la première fois. Hein. Mais j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas mal. Ils font des trucs. J'ai dit, mais comment ils font ça, quoi? Voilà, c'est un début. C'est dans le principe, c'est dans le truc, dans l'objectif que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour le faire vraiment pas mal, ça? Alors, comment on pourrait faire si on essaie avec le cœur. Attends. On va essayer avec le cœur. Là, on va essayer de faire un truc. Attends, si j'arrive à le... Voilà. On va essayer de faire un truc. Alors, tiens, on va prendre... Bon, le blanc qui sera pas blanc parce que forcément ça va se mélanger à d'autres. On va tester. Mais vous voyez le point. Vous voyez où je veux en venir. Moi je suis une débutante, hein, donc. Mais je peux vous assurer que ce que j'ai vu sur Insta, c'était trop beau. Un peu pour aider. Ouais, il ne trouve pas vraiment ce que je veux. Il y a pas mal avec du flex. Ah merde. Je suis en train d'oublier. Je fais deux choses à la fois. Hop. On va venir avec le petit cœur. Voilà, juste comme ça. Ensuite, hop, vous venez, voilà. Gentiment, tac, tac. On va remettre à fondre une autre d'autres couleurs pour après. On va voir comment ça sort. Vous voyez, là, il y a ma cire qui est là. J'ai essayé de la mettre vraiment sur le cœur. Bon, ça a un peu débordé. Je vais faire des bêtises, ça c'est sûr. Vous voyez, j'ai repris 3 cuillères parce que sinon, à chaque fois que vous voulez vraiment une couleur précise,
Bah, elle est toujours mélangée avec l'eau, tout, faut essayer d'enlever la cire, enfin c'est tout un bazar. Enfin, c'est joli là la couleur. Oh, merde. Ah! Oh, j'étais en train d'avoir une crampe dans les doigts. Ensuite, vous venez, hop, faire votre petit bazar. Voilà. Et là, vous revenez et tac. On va voir. Je garantis pas. On va voir. J'aime bien comment ça fait autour, très joli. Par contre, quand on fait ça, voilà, c'est pas le. Après, c'est. Il y en a partout. D'ailleurs, je remets à chauffer, je l'aurais pas. Alors, est-ce que ça a marché, mon... Oh, oh, c'est pas sec, c'est pas sec. Et voilà, j'ai mis ma marque de doigt. Hein? Et là. Voilà. Voilà, voilà ce que je voulais. Voyez? Voilà. Du coup, vous vous retrouvez avec deux couleurs. Voilà. Voilà, moi je suis pas. Voilà, je débute, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai, ah ouais, c'est pas que les sauts de cire basiques, quoi. Comme ça. En fait, vous avez. Bon, là, je pense que ça doit être plus dur, hein, de mettre de la couleur dans les ballons, hein. Mais voilà, après les sauts de cire, tout simple. Bon, alors oui, ça fait plusieurs couleurs parce que vous pouvez mélanger les couleurs. Mais c'est vrai que. Bon, là, j'ai raté mon truc. Hein, ça, c'est pas grave. Mais d'avoir. Bon, là, vous avez, là, il y a le flex. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, il y a la fleur que j'ai mis par en dessous. On a encore le flex. Et du coup, là, avec les fleurs. Les fleurs séchées, bon, c'est pas mal. Ça peut faire des trucs sympas. Pour mettre sur les petites créas. Vous voyez que quand vous voyez. Il est où mon truc? Voilà. Du coup, quand vous voyez celui-là où il n'y a qu'une couleur. Et celui-là, ben moi je préfère le deuxième. Je préfère où il y a les deux couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous direz, oh, ma boîte est trop petite. Oui, j'arrête pas de me répéter. Je vais la changer. Vous voyez? Même la rose, moi je referai des essais. De toute façon, j'attends d'autres couleurs parce que j'ai pas assez de couleurs. Mais franchement, c'est sympa. Et là, c'est très sympa. On va essayer une autre. Enfin, si j'avais là des couleurs, j'avais oublié. Enfin, j'avais pas vu ma boîte. J'avais du rouge en plus. Ceux-là, on va les ranger. Ceux-là, on va les ranger. On va les mettre là. Mon petit tapis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour essayer? Qu'est-ce qu'il y a là? On a le ballon. Avec ça, tiens, je suis désolée pour la télé, je vais fermer ma porte. Voilà,
je vous reprends pour pas longtemps parce que j'ai vu que on était déjà à 40 minutes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les vidéos qui sont un petit peu longues. Mais là, je pense que peut-être c'est trop long. Petite. Hop. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir faire avec le petit nœud. On va voir comment on va faire. Juste faire ça. Ah, ça part. Attends. Là. Tac. Hop. Bim. Et on va faire chauffer. Là, je vais faire des bêtises. Ça m'a encore brûlé comme ça. Ah oui, non, mais tout à l'heure, j'aurais fait cramer mon bureau tout à l'heure. C'était très sympathique. Il y avait le feu et tout. La cuillère a flambé. C'est un grand moment. Et là, j'ai mis comme ça. J'ai pas mis autour. Là, c'est pour faire un premier fond, en fait. Alors, on va essayer de la poser. Je sais pas comment. Non, elle est en train de me partir sur les bords. Ah non. Je vais la tenir, je sais pas comment je fais. Faire comme ça. Hop. Ah purée, c'est chiant. Voilà, comme ça. Hop. Ah, est-ce que plus vous mélangez, plus ça fond plus vite, quoi, en fait. Moi, j'étais en train de vous dire tout à l'heure là, je sais pas si j'ai fini en fait, parce que moi je suis du coca là, hein. Le documentaire, la petite fille là, que les parents, enfin c'est une petite fille qui était atteinte de nanisme et ils l'ont adoptée et en fait, après, je crois qu'ils ne devaient plus vouloir d'elle. Et ils ont fait croire, comme vous savez, le film Esther, où en fait, c'est une adulte qui se fait passer pour une enfant, quoi. Qui paraît qui est atteinte de nanisme. Et du coup, c'était une petite qui avait 6 ans quand ils l'ont adoptée. Et 2 ans après, ils ont fait croire qu'en fait, qu'elle avait des poils pubiens. Enfin bon, tout un tas de trucs. Et de 8 ans qu'elle avait, ils ont fait changer son âge. Elle avait plus 8 ans, elle avait 22 ans. Après, ils l'ont mise dans un appartement toute seule, où elle devait se démerder, se débrouiller toute seule. Elle avait 11 ans, ou non, ouais, 10 ans, un truc comme ça. Donc, elle n'a pas eu d'enfance, rien. Et là, je suis en train de regarder la deuxième saison. Parce qu'au début, vous entendez le côté des parents, enfin du moins du père, parce que la mère, elle n'a pas dû vouloir parler. Et vous dites, mon Dieu, comment ça peut arriver des trucs pareils, quoi. Je sais pas comment je vais faire pour enlever tout ça, là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Elle est longue la vidéo. Oh là 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 là. Moi je sais que j'adore les vidéos longues. Alors là, les vidéos longues, c'est ma passion. J'adore. Plus c'est long, plus je suis contente. J'ai l'impression de regarder un film. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi, quoi. Donc écoutez, si vous trouvez que c'est trop long, hein, ben vous ferez l'avance rapide. Range un petit peu mon bazar.
mon pala. Voilà. Donc oui, j'ai fait une petite commande pour encore des, du coup, des de la cire. J'ai recommandé un seau comme ça, mais il est en cœur. Des petits trucs, surtout des cuillères que je voulais pour pouvoir pas en avoir qu'une en fait. Oh là, pas avoir qu'une cuillère, parce que franchement sinon c'est pas pratique. Hop. Alors voyons voir, est-ce que ça refroidit? Alors qu'est-ce que ça dit mon machin là? Est-ce que ça veut se décoller? Oh là, oh non, non mais c'est trop beau, je suis trop fière, regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà. Ça fait pas des soutiens basiques. Ah mais c'est... Mais, ah, celui-là, il est réussi. Non mais, avouez, celui-là, il est trop réussi. Là, les deux derniers, là. Deux derniers pépites. Ah ouais, ouais, moi je suis fière, hein, pépite. Alors, regardez les deux derniers. Donc on va montrer. On va montrer. On va, voilà. Donc celui-là avec la rose. Bon, ça, c'est les fleurs. C'est pas gagné. Faut que je reteste. Faut que je reteste mon bazar là. On va tout ressortir. De toute façon, je vais le ranger dans une boîte. Là, c'est les fleurs. Ça, c'est ce que j'avais fait sans vous. Bon, celui-là, bah, ouais, on voit même pas. De toute façon, hein, faut montrer les échecs. Oui, je fais que des bêtises. Ah oui, oui, en direct live, je me suis brûlé les doigts. C'est tombé sur mes seaux de cire. Bah oui, parce que je fais pas attention. Ah bah oui, bah, de la cire qui est sur les seaux de cire. On va attendre que ça sèche. C'est pas grave, je m'en fous partout. Mais c'est un peu chaud, mais ça va. Vous savez comment ça refroidir. Je fais pas gaffe, je fais 15 choses à la fois, comme d'habitude. Quand vous voyez, tant que je vous montre. Attends, ça on va l'enlever. Ça, bah. Non, si. Oh, c'est pas grave. C'est ceux-là qui sont. J'arrive à l'enlever. J'ai fait que ça comme fleur. Celle-là qui était ratée. Bon. Mais là, ces deux-là, je suis trop contente. Voilà. Super joli, ça change. Je vais chercher une autre boîte. Hop là. Seigneur du mal, Joseph. On va prendre celle-là. Ah non, à moins que. Attendez, peut-être autre chose. Allez, définitivement, elle va être super longue cette vidéo. Je viendrai la décorer, je vais mettre mes seaux de cire là-dedans, tiens. Hop, je vais acheter ça à Action. Je vais les mettre là-dedans. Voilà. Hop, ben on va mettre même ceux qui sont ratés. Hein. Je dis pas que je réussirai tout le temps parce qu'il faut quand même avoir des. Vous voyez, où faut bien mettre sa cire pour que ce soit bien fait. Moi je suis contente,
Et il ne faut pas grand chose. Hein. Ça refait. Je pensais pas que j'allais y arriver. Voilà. Ça sera, je vais mettre là. Je vais laisser quand même dedans. Parle toute seule. Bon bah voilà pour cette petite vidéo bien sympathique. J'ai passé un bon moment. Seau de cire. Quand j'aurai reçu mes autres petits trucs, et ben je viendrai vous montrer ça comme d'habitude. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.